Il va pas tarder à tomber, là, le corban. Comment ça s'est passé, l'accouchement, alors? Bah, ça s'est bien passé. Alors, voilà, je vous montre comment on sort un bout de sein. Vous avez beaucoup d'amis ici? Non. Je vous mets amis. C'est très important. Il faut que tu dormes un petit peu quand même, d'accord? Vous avez la tétine, hein? On peut aussi la mettre la nuit. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Une maman fait confiance à son enfant. Et plus on fait confiance à quelqu'un, plus il a de force. L'organisation de la santé est de plus en plus économique et de moins en moins dans un but de santé publique. Jamais on avait le temps. J'avais l'impression d'aller me faire maltraiter. Ça n'arrêtait pas. Le flux tendu en salle de naissance, on sait ce que c'est, mais là, c'était le flux tendu tout le temps. La péridurale, elle n'est pas là pour des problématiques de douleur, elle est là pour des problématiques de personnel. L'existence de l'individu femme est écrasée. Donc, en tant que sage-femme, accompagner des femmes et vouloir leur liberté, c'est forcément militer. C'est forcément ça. Au moment où un enfant naît, à la fois on devient toute petite, mais en même temps, c'est des moments où on a la possibilité de comprendre des choses. C'est beau le chapeau ? Je comprends à ce moment-là qu'entre la vie et la mort, les femmes choisissent toujours la liberté. One, two, three, and all is alright. And I hope that it's light.